Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toi public. C'est la dernière vidéo que je ferai aujourd'hui, malgré le fait que j'avais dit que j'essaierais vraiment de faire tout ce que je pouvais pour finir les cartes neutres aujourd'hui. Donc, ce sera la seule vidéo carte neutre que je ferai, mais au moins j'aurai avancé un petit peu pour demain, comme ça. Et donc, on va partir par ordre alphabétique, et c'est-à-dire qu'on va commencer par Bolf Bélier Frondeur. Voilà, Bolf Bélier Frondeur, c'est une légendaire, c'est une 3-9 pour 6, c'est-à-dire qu'il a 11 de stats pour 6 de coups d'invoque, là où on s'attendrait donc à avoir 12. Quel est son effet? Chaque fois que votre héros subit des dégâts, les inflige à ce serviteur à la place. Bon. Donc en gros, c'est un tank. C'est une sorte de provocation, mais qui marche aussi pour les sorts. Parce que si on vous prend on vous balance des dégâts dans la tronche, eh bien, quel qu'il soit, que ce soit des créatures ou que ce soit des sorts, ça partira sur Bolf Bélier Frondeur. Et donc, ça vous fait gagner 9 points de vie virtuellement et potentiellement plus si vous le healez. Ce qui est stupide parce que si vous le healez, vous auriez pu aussi vous healer vous. Et donc, ça n'avait pas l'intérêt d'avoir Bolf Bélier Frondeur à la base. Voilà, tout simplement. Ceci mis à part, c'est quand même une 3-9, c'est des stats solides. Mais globalement, faut pas le nier, c'est une carte légendaire qui est là juste pour dire je suis légendaire. En gros, c'est un bélier et il est unique. Et donc, comme c'est une carte unique, eh bien, on va en faire une légendaire. Voilà, contrairement à des cartes trop badass comme la grande crinière des savanes qui n'est pas une carte unique, on peut avoir plein de grandes crinières dans le monde et donc qui n'est pas une carte légendaire, contrairement au mystérieux Challenger récemment, qui est trop badass aussi, mais qui est uniquement épique parce qu'il n'est pas unique et donc pas légendaire. Et c'est pour ça que des cartes un peu plus moisies comme celle-là se retrouvent dans les légendaires. Voilà. Donc pour ce que j'en pense, écoutez, en arène, le Bolf Bélier Frondeur, ça veut dire que vous avez deux autres légendaires à côté et que potentiellement vous aurez quand même quelque chose de bien mieux. Alors c'est pas la pire des cartes. Hein. Franchement, je dis c'est une carte qui peut servir à quelque chose. Mais c'est loin d'être la meilleure et il y aura toujours sur les deux autres légendaires au moins une légendaire qui sera meilleure que ça. En tout cas, je veux le croire. Sinon, c'est que vous avez vraiment pas de chat. Dans ce cas-là, prenez Bolf et les Frondeurs. Récupérer, prenez moins de dégâts et puis basta, mais bon, l'idée, elle n'est pas vraiment là. Ceci dit, le bon côté des choses avec Bolf Bélier Frondeur, c'est que faut pas hésiter avec lui et attaquer directement face, et avec toutes vos créatures aussi tant qu'il est sur le board. Parce qu'en soi, ça veut dire que toutes les cartes qui vous partiront sur la tronche, eh bien partiront sur Bolf à la place. Bon, le bon côté des choses pour l'adversaire, c'est que s'il veut se débarrasser de Bolf, il n'a pas besoin de l'attaquer directement. Et de se prendre les dégâts de son attaque, il a juste attaqué vous, et puis pour le coup, ça redirige automatiquement sur Bolf. C'est pas conditionnel. Si au moins la carte était conditionnelle, si au moins comme Magic, ils avaient géré le truc, genre vous pouvez faire que les dégâts qui vous sont infligés à ce serviteur à la place, là pour le coup, ça aurait plus eu de sens, parce que vous pouviez mitiger, dire là je veux bien le prendre, là je préfère le garder en vie, etc., etc. Là non, il suffit juste de vous attaquer pour le tuer, et vous. Si vous avez plus de vie que nécessaire, et bien pour le coup, vous ne pouvez pas choisir de ne pas perdre cette vie pour laisser, enfin de perdre cette vie pour laisser Bolf en vie, lui. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc en arène, c'est médiocre, et en classé, vous avez accès à toutes les légendaires qui existent. Donc comme c'est déjà médiocre en arène, il y a de grandes chances que ce soit médiocre en classé aussi, sauf si on trouve des combos un peu chelous. Je sais que des fois, on peut se retrouver avec des combos où des cartes qui pourraient apparaître à l'avenir, ou les dégâts qui sont infligés à ce serviteur, par exemple, un enchantement, les dégâts qui sont infligés à ce serviteur sont redirigés vers celui qui les fait. Ce qui fait qu'un petit. Sont redirigés vers votre adversaire. Ce qui donnerait, par exemple, un Bolf qui, quand vous prenez des dégâts, les réenvoie sur lui, qui les renverra sur l'adversaire. Et là, pour le coup, ça pourrait avoir un intérêt, ça pourrait être une combo un peu fun. Mais ça n'empêche pas pour autant que. On risque de se prendre des trucs du genre, je sais pas moi, il y a plein de choses qui ciblent les cartes à 3. Un mot de l'ombre douleur, ça le tue. On pourrait prendre aussi la carte folie de l'ombre qui fait des choses. Enfin voilà, ça que 3 l'attaque aussi, on peut faire des tas de choses sur le Bélier Frondeur. Donc c'est quand même une carte assez faible en soi, à mes yeux, que ça soit en classé ou que ça soit en arène. Un stand-by-ment et on passe. À suivante. C'est pour ça justement, c'est pour ce genre de petits intermèdes qu'il est nécessaire que je fasse le reste des vidéos demain.
Deuxième carte, donc toujours dans l'ordre alphabétique, le Capitaine Céleste Krag. Bon, bah c'est une carte de pirate de plus, ça tombe bien, on vient de faire juste à l'instant le voleur. Donc, bah, Capitaine Céleste Krag, il a la charge. Enfin, il a la charge! Il coûte un de moins pour chaque pirate allié, et puis c'est tout. Pour 7, on s'attend à 14 de stats, on a 10. Donc, il faut partir de l'idée que on va faire un deck vraiment pirate, histoire qu'il coûte au moins 2 de moins. Parce que comme ça, on aura pour 5 une 4-6, ce qui fait un ratio de stats viable et qui sera charge. Alors honnêtement, en arène, c'est nul. Je veux dire, enfin voilà, ça vous fait une 4-6 charge à la limite, c'est un peu mieux quand même que Bolf Bélier Frondeur, mais c'est pas non plus exceptionnel en soi. Et puis bon, vous ne pourrez pas partir de l'idée que vous allez avoir des pirates dans votre deck et que ça va diminuer son coût, particulièrement en arène. En classé, bah écoutez, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a toujours pas de pirates qui sortent, qui sont viables. Je me vois très mal faire un deck entier pirate avec les cartes qui existent actuellement pour rentabiliser cette carte. Et du coup, ce sera médiocre. Parce que pour 5, une 4-6 charge, bah, c'est pas mal. Si vous voulez vraiment rentabiliser, donc ça fait déjà 2 pirates sur le board. Si vous voulez vraiment rentabiliser, c'est-à-dire qu'au tour 3, il faut déjà 3 pirates sur le board, et pour le tour 4, comme ça, et qu'il reste en vie, et que le tour 4, vous fassiez une carte à 4, 4-6 charges. Alors là, ça deviendra badass. Là, ça deviendra carrément super solide. Mais c'est tellement contextuel que c'est pas envisageable sans un deck pirate viable. Et les decks pirates viables, actuellement, ça n'existe pas. Et vu les cartes qu'il y a actuellement, eh bien, il y a très peu de chances que ça existe un jour, ou tout du moins dans l'état actuel des choses. Parce que peut-être que l'extension suivante dira, ouais, non, voilà, on a buffé les Murlocs encore, encore et encore. Bon, ça a été un peu joué d'une manière ou d'une autre. Au moins, les cartes Murlocs qu'on a mises, elles ont été jouées. Hein, même si elles ont été jouées toutes seules, des fois, comme notamment la carte du Paladin. Donc là, les pirates, on va en faire de manière à ce que ça se joue un peu. Quitte à faire une carte qui invoque des pirates et qui soit pas le perroquet. Voilà. Mais pour l'instant, bah, en arène, c'est médiocre et en classé, c'est juste pour de la classé fun. Voilà. Donc, bah, tant que ça reste pour de la classé fun, on va la garder dans un coin. Cavalier d'argent. Next card. Donc, une, deux, un charge bouclier divin pour 3. En arène, c'est pas mal. En arène, c'est pas mal, ça vous débarrasse d'une petite créature et ça reste en vie. Et en plus, ça le fait le tour où ça arrive. Parce que ça a le bouclier divin. Donc le bouclier divin, on sait qu'il ne va pas partir. Enfin, c'est un peu comme la quête de charge bouclier divin. Le bouclier divin ne va pas partir sur un pouvoir héroïque ou sur une cochonnerie. Le bouclier divin va bien partir sur ce qu'on veut, ce que l'on vise. Donc là, ça a un sens. Maintenant, pour 3, ça fait 3 de stats. Sachant que généralement pour 2 on a déjà 5 de stats, bah, je trouve que c'est un petit peu limite. Voilà. Et que ben c'est fragile. Donc en arène, pourquoi pas? Ça fait un drop qui peut être potentiellement un anti-créature et qui reste un peu sur le board. Un peu comme un Murloc Charge mais amélioré. Par Murloc Charge, j'entends la 2-1. Je ne sais plus comment ça se dit déjà. Je ne sais plus quelle carte c'est exactement. Mais pour ce qui est de la classer, eh ben, à mes yeux, c'est trop fragile. Parce que si on veut le mettre dans quelque chose, ça ne sera pas un mid-range parce que c'est trop petit. Au tour 3, on a des cartes un peu plus solides. Ça ne sera pas un deck contrôle. Ça sera plutôt un deck aggro. Et un deck aggro à 3, il veut plus de stats que ça. Il s'en fiche du bouclier divin au final. Il veut quelque chose de solide. Et même si ça a la charge, bah, ça ne suffira pas en soi. Donc le cavalier d'argent, il est moyen enfin, il n'est pas trop mal, mais alors vraiment, je le dis vraiment en grinçant des dents en arène. Et il est moyen enfin, et il est mauvais, excusez-moi, en classé. Voilà. Donc ça devient vraiment très très difficile de l'accepter, de le suivre vraiment et de dire oui, ça peut en faire quelque chose. Moi, le cavalier d'argent, j'ai du mal à le voir dans un deck. Dans l'état actuel des choses, il coûte trop cher ou il a trop peu de stats, quelles que soient toutes ses capacités envisageables. Voilà.
Et pourtant, je veux dire, il pourrait avoir sa place dans les decks. Enfin, à un moment, il pourrait avoir ses places dans les decks aggro, mais c'est un peu trop cheaté après. Dans ce cas, ça serait une rare, voire une épique, parce que quand même, une 2-1 charge bouclier divin pour 2, ça mettrait un peu le Murloc au rang de. Pas de Tarlouse, mais bon. Ça le ferait reculer quand même pas mal dans la value, alors que certains joueurs le jouent pendant un temps. Jouent pendant un temps. Bref. Cette carte, malheureusement, quand tu y réfléchis bien par rapport au Murloc, elle est équilibrée par rapport à. Ça me fait mal de dire ça, vu que ses stats pourries. On va dire elle est équilibrée, entre guillemets, par rapport à ses stats et ses capacités. Mais c'est justement parce qu'elle est équilibrée qu'elle ne sera jamais jouée, parce qu'elle a tellement de capacités différentes que ça diminue son intérêt au niveau de ses stats. Voilà. Donc ça n'a pas vraiment de place, ça n'a pas vraiment de sens dans la méta. Donc, next. Champion de la lumière, une rare. On va faire beaucoup de champions, hein, sachant qu'on est quand même dans les cartes par ordre alphabétique. Donc, comme on est dans le grand tournoi, eh ben, les cartes de champions, on va en manger. Le bon côté des choses, c'est qu'après cette première vidéo sur les cartes neutres, eh ben, les champions, on les aura tous finis. Donc, champion de la lumière, une 4-3 pour 3, donc des stats qui sont pas mauvaises. Truc qui ira déjà se poser en arène. Avec un effet supplémentaire, cri de guerre, réduit au silence, un démon. Des démons, on en a quand. Démoniste. Tous les démonistes ne jouent pas des démons, même s'il y en a quand même beaucoup qui jouent des démons. Je veux dire, globalement, si vous prenez un pur Unlock, à part Jaraxxus, vous n'avez pas de démons. Non. Voilà. Même si même maintenant les Unlock ont tendance à jouer des Murlocs, globalement, dans un Unlock, vous n'avez pas de démon. Donc, Champion de la Lumière, c'est une carte qui se mar qui marche, enfin, qui a un ratio stat décent pour une arène, et qui a un effet de plus qui ne sert quasiment jamais à rien. En fait, qui va servir moins d'une fois sur 9 en fonction de vos parties. Si vous avez une méta pure démo, dans ce cas-là, effectivement, ça servira 80% du temps. Si vous avez une méta variée, eh bien, ça servira moins d'une fois sur 9. Si vous avez une méta avec plus d'autres choses que Warlock, eh bien, ça servira quasiment jamais. Là, actuellement, on tombe sur Grim Patron, on tombe sur Aggro Hunt, Aggro Chasseur, et on tombe sur. Le paladin secret, ça veut dire que le champion de la lumière ne servira jamais. Voilà. Donc il faut vraiment voir son cri de guerre comme un petit bonus, un supplément. Il ne se jouera pas en classé parce que c'est mauvais. Et j'aurais du mal à voir des rares qui sont moins bonnes que. Enfin, il y aura beaucoup. On aura beaucoup de mal à avoir des rares qui sont moins bonnes que lui en arène. Mais si malgré tout vos rares à côté sont toutes pourries, hein, ça peut être n'importe quoi, hein, genre. Il y en a quand même beaucoup des rares pourris. Je veux dire, en arène, Ancien Gardien, c'est quand même bien pourri. Il y en a d'autres dans le genre. Garde Lumière, c'est un peu dégueu aussi, quand même, si vous n'avez rien pour vous, il est. Donc là, l'idée, c'est que le champion de la lumière, il a un bon ratio stats, quand même, et que c'est une carte qui peut être jouée en arène. Et le cri de guerre, c'est juste un bonus. Voilà. C'est sur un énorme malentendu. Parce qu'en plus, je veux dire, réduit au silence un démon, partait de l'idée que tous les démons ne peuvent pas être silencés. Regardez. Vous prenez par exemple le Diablotin de Flamme, vous êtes bien content d'avoir un démon en face pour le silence. Vous pouvez enfin cibler un démon. La 3-2 en face, ça va devenir une 3-2 toujours en face. C'était vraiment très intéressant. Donc bon. Champion de la lumière, nul en classé, médiocre en arène, mais jouable. Ça, faut pas l'oublier. Elle a des stats qui lui permettent de rester quand même envisageable, sans dire que c'est le pic de l'année. Champion de Mogor. 50% de chance d'attaquer mauvais adversaire, 8-5 pour 6. Évidemment, quand on a un effet aussi. Handicapant, eh bien, on a des stats qui sont plus badass. Donc, là, on devrait avoir 12 points de stats, on en a 13. Et par contre, malheureusement, effectivement, 5
points de vie, c'est pas énorme pour une carte à 6. On aurait préféré une 5-8. Là, pour le coup, ça m'aurait quand même un peu plus plu. On est encore dans le cadre d'une rare ici. Une 5-8, ça aurait fait quelque chose, un bon gros tank tour 6, hein, qui en plus, bon, bah, pouvait être un peu funky sur les taunts. Hein, et bon, dans l'idée qu'il y avait quand même une bonne base pour faire des trucs agressifs. Autrement, au-delà de ça, bah, ça meurt sur plein de choses, parce que tour 6, bah, 5 points de dégâts, c'est pas si difficile à faire. Et les 8 points, ils restent aléatoires, parce qu'imaginez que vous tombiez contre un Néboladin, et vous avez une chance sur deux de toucher un des multiples tokens qu'il y a sur le board, et le mec, il s'en foutra que le token disparaisse. Et quand vous voulez toucher un token, évidemment, vous touchez forcément quelque chose d'autre. Donc, Champion de Mogor, ça pourrait avoir un sens, mais si vous faites un deck super aggro. Mais c'est vraiment, vraiment pas. Disons que c'est trop aléatoire et c'est trop fragile au niveau des stats pour être joué en classé. Alors, après, en arène, ça peut être un peu mieux éventuellement parce que ça fait un gros ton. Parce que si vous avez un deck aggro, ça peut vraiment être pertinent. Enfin, c'est quand même assez limité. Hein. C'est, je sais pas en fait ce qu'on trouve généralement en arène, à côté de, au niveau des rares. Mais je doute pas qu'on ait quand même pas mal de choses qui peut être un peu, qui puissent être un peu mieux. Ceci dit, bon, Champion de Mogor, il peut être fun. Il peut être fun en mode super aggro. Je sais pas dans quel deck. Dans un deck un peu avec des cartes solides, justement comme l'était le Mecha Shaman. Qui avait, qui était très agressif, mais qui avait quand même des cartes qui étaient relativement solides sur le board, et ben le champion de Mogor dans un deck comme ça pourrait peut-être éventuellement se faire une place en supposant qu'on ait un deck qui nettoie bien le board en face. Et ça encore, c'est même pas sûr. Voilà. Parce que bon, s'il en a plus rien en face, évidemment, et bien le 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire, ça n'arrivera jamais, puisque on attaquera toujours le bon. Mais sinon, en classé, ça reste médiocre et en arène, ça reste moyen. Voilà, c'est tout. Il y a quand même beaucoup mieux. Next, champion de Meukla. 4-3 pour 5, commune, exaltation, donne plus 1 à vos autres serviteurs. Donc, bah, tour 7, ça fait un. Comment dire? C'est quoi le secret d'entraînement, etc. Enfin voilà, c'est le truc de motivation du prêtre, du paladin, pardon. Le secret du paladin qui donne plus 1 à tout. La tour 7 en fait un automatiquement en posant en plus une 4-3 sur le board. Tour 5, ça pose une 4-3. Les stats sont dégueulasses. Je veux dire, on s'attend à 10, on a 8. Mais on est censé essayer la protéger un tour, ce qui est quasiment aberrant pour une 4-3 pour 5. Étant donné qu'il faudrait qu'elle fasse l'exaltation au tour suivant. Et ce, en ayant des serviteurs à côté. Alors, autant dire qu'en classé, bah, ça sert à rien. Parce que le champion de Mukla, il est trop fragile. Voilà. Pour 5, il y a beaucoup trop de choses sur le board qui vont s'en débarrasser trop facilement. Il suffit qu'il y ait une carte avec 2 d'attaque et n'importe quel pouvoir héroïque qui a pingé. Et il y en a un paquet quand même qui sont dans les classes qui sont jouées. Et le champion de Mukla, il ne s'exaltera jamais. Par contre, s'il reste sur le board, ben ça peut être funky. Et en arène, là, c'est autre chose. Si vous avez un deck qui est un peu paladin ou qui va enchaîner un petit peu les tokens, qui va être assez agressif, et bien le champion de Mukla, il peut donner un petit deuxième souffle, un petit bonus justement à vos cartes. Et même si ses stats sont vraiment dégueulasses, vous partez de l'idée que il va booster le tour où il arrive, vous jouerez tour 7. Donc, pour le coup, c'est pas mal. Au bout d'un moment, ça peut quand même bien enchaîner, bien faire mal. Plus vous arriverez à buffer avec le champion de Mukla, mieux vous arriverez à nettoyer le board en face, mieux vous arriverez à garder le champion de Mukla en main, etc., etc. Donc c'est un cercle vicieux pour l'adversaire qui n'arrivera pas à s'en sortir. Il faudra qu'il se débarrasse du champion de Mukla avant, mais les vraies menaces seront des autres créatures qui ont été buffées par le champion de Mukla qui recommencera au tour suivant et encore et encore et encore. Donc en arène, je la trouve plutôt viable. À condition que vous ayez un deck qui se base quand même assez sur un certain nombre de créatures ou un pouvoir héroïque qui augmente le nombre de créatures, j'entends le chaman ou le paladin. Et donc avec ça, bah écoutez, après vous synergisez au fur et à mesure en posant plein 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 de cartes. Voilà, c'est cool, ça a sa place. Après c'est pas la meilleure carte, mais c'est quand même une carte qui est dans le top tiers, je pense,
des cartes en arène. Top tier des cartes, ça veut dire dans le premier tiers, ça ne veut pas dire que c'est parmi les meilleures cartes. Ce n'est pas le top 5 des cartes, c'est vraiment le top tier, les 33 premiers pourcents. Donc ça sous-entend que bah, majoritairement, quand vous aurez 3 communes, le champion de Mutla sera régulièrement sensiblement supérieur au reste, qui sera un peu dégueulasse. Voilà. Oubliez la classer, encore une fois. Carte suivante, champion du Nexus Sarah. 4-5 pour 5. Dans le ratio stat, c'est pas exceptionnel, mais on a vu pire quand même. Ça aurait été une 5-5%, j'aurais dit, oh, cette carte est trop bien, surtout avec son exaltation et tout et tout. C'est pas le cas. Franchement, 5-5%, j'aurais tellement été content de la jouer. Mais bon, là, le fait est que son exaltation, elle est tellement badass qu'ils ont un peu diminué les stats pour compenser ça. Parce que l'exaltation, c'est une histoire de. Comment dire? C'est une histoire de card advantage. Et le card advantage, c'est toujours fortement sanctionné au niveau des stats quand c'est une créature, parce que c'est juste trop puissant. Surtout quand c'est un card advantage récurrent comme ça. Donc bon, j'en parle, mais je n'ai toujours pas décrit la carte. Donc 4-5 pour 5, on est d'accord, les stats sont un peu faibles. Exaltation, ajoute un sort aléatoire à votre main. Voilà. Donc bah, vous pouvez avoir une carte toute pourrie de paladin un secret, hein, comme œil pour œil. Ou vous pouvez avoir, je sais pas moi, néant distordu alors que vous êtes en train de mal gérer la game. Ou mieux, vous avez que cette carte et vous récupérez entrée dans le Colisée. Et pour le coup, vous vous retrouvez à garder cette carte et l'adversaire a sa plus grosse carte en face. Au peu qu'il soit gros, vous pouvez la trade juste après avec le champion du Nexus, si c'est une petite carte. Plutôt cool. Maintenant, l'exaltation, bah, ça demande soit de la jouer tour 7, soit qu'elle reste en board. C'est clairement une carte de deck contrôle, voire mid-range. Parce que bon, 5, c'est pas non plus excessif. Donc ça a sa place en milieu de partie si vous avez quand même posé quelques petites cartes avant. Et putain, chaise qui grince, c'est insupportable. Si vous avez laissé quelques petites cartes avant sur le board pour nettoyer un peu ce qu'il pourrait y avoir en face, étant donné que bon, bah, 5 points de dégâts, ça peut pas non plus n'importe où. C'est pas une Deathbite, à moins qu'elle ait déjà été posée au tour d'avant. Et pour le coup, vous ne posez pas le champion de Nexus Sarad, c'est pas. Il y a plein de choses en fait qui ne tuent pas facilement le champion de Nexus Sarad si vous avez déjà locké un peu le board. Donc, dans des decks mid-range et des decks contrôle, voire. Non, je ne vais pas dire des decks combo parce que les decks combo, on s'en fout un peu d'avoir des sorts aléatoires dans la main globalement. Ce qu'on veut, c'est juste avoir les cartes de la combo dans la main et gagner. Donc, le champion de Nexus Sarad n'a pas de sens ici. Mais dans les decks contrôle et dans les decks mid-range, ça peut se faire à sa place parce que justement, ça va faire des sorts aléatoires dans la main au fur et à mesure, encore et encore et encore. Et les sorts, bah, des fois, il y en a des bons et dans tous les cas, ça fait quand même des cartes en plus. Et ben faut pas se leurrer, hein. Il y a un petit côté rapprochement avec la légendaire du prêtre qui elle aussi génère du card advantage mais qui est beaucoup plus solide. J'entends solide non pas au niveau des stats mais solide au niveau du card advantage qui est généré vu qu'ils en sont non seulement des légendaires mais des légendaires sur le terrain. Voilà. Donc champion de Nexus Sarad, je pense que dans certains decks contrôle, il aurait sa place. Ouais, je pense que c'est viable dans certains decks contrôle. Après, je dis pas que on pourra trouver des decks autour de ça, mais ça peut être une condition de kill. Moi, personnellement, je crois que dans les premiers jours, je l'ai joué. Bon, après, j'avais fait des decks un peu YOLO, n'importe comment. Je n'avais pas cherché à mettre un concept derrière. Mais, typiquement, dans un deck prêtre qui contrôle le board pendant très très longtemps et qui est très late et qui va justement profiter de l'exaltation régulièrement, eh bien, le champion Nexus Sarad, il aurait un sens. Le souci, c'est que bon, bah, on a déjà des cartes qui sont très très solides en prêtre. Hein, en condition de victoire. Et le champion de Nexus, il était un petit peu lent. Voilà. Donc à voir. C'est discutable. Bon, par contre, en arène, c'est juste trop badass. En arène, c'est trop badass parce que bah, c'est plus difficile encore de se débarrasser d'une 4-5 au tour 5. Mais par-dessus le marché, les sorts aléatoires, ça reste toujours des cartes en plus. C'est un peu comme le Murloc, même si c'est des cartes pour. Enfin, comme le Murloc qui fait popper d'autres Murlocs, même si c'est des cartes pourries qui vous fait popper, ben c'est des cartes quand même, et l'adversaire en face, il sera bien obligé de les gérer, parce qu'autrement ça va s'empiler, et pour le coup, ça va lui causer de très très gros soucis. Voilà. Carte suivante. Cheval de guerre cuirassé. Alors, je sais pas à combien de cartes on en est là.
On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me reste 3 cartes et puis après on passera à une autre. On laissera la main pour ce soir et on passera demain à une autre vidéo histoire que. Parce que je ne tombe pas de sommeil comme là. Donc cheval de guerre cuirassé, c'est une 5-3 pour 4. Les stats sont censées être bonnes, mais ce n'est pas le cas étant donné que la défense est beaucoup trop fragile à mes yeux. Sauf que cri de guerre révèle un serviteur de chaque deck si le vôtre coûte plus, gagne charge. Donc elle a la joute. C'est une rare. Potentiellement, c'est une 5-3 charge pour 4. Ce qui n'est pas si mal en soi. Sauf que dans quel jeu elle va être jouée, bah, si vous voulez une 5-3 charge, ça veut dire que vous avez un deck un petit peu YOLO. Ça veut dire que vous allez avoir un deck qui sera agressif. Ça veut dire que vous allez avoir un deck qui va avoir une courbe de mana basse. Ça veut dire que vous allez avoir un deck qui ne gagnera quasiment jamais à la joute. Donc, cette carte, elle est écrite avec. Si vous jouez cette carte dans un deck, vous ne gagnerez que 10% du temps la charge. En gros, il y a cri de guerre, hein, lancer 10 pièces. Si vous en avez eu 9 qui ont fait pile, eh bien écoutez, donnez-lui la charge. Sinon, alors j'exagère un petit peu, mais bon, c'est un peu l'idée. Voilà, sinon, non. Si vous avez 9 pièces, 9, bon, bref, peu importe. Si vous gagnez 9 fois la pièce, non, même pas. Ça fait pas du 10%, mais bon, j'exagère un petit peu en fait au niveau des stats. C'est en gros au niveau des stats statistiques pour avoir la charge, mais en gros, l'idée c'est que 10% du temps vous aurez la charge et c'est pas exactement ce que vous voulez. Vous voulez une carte, quand vous jouez des cartes de joute, vous voulez une carte qui gagne. Voilà. Et typiquement, les cartes qui gagnent en joute, c'est des cartes qui sont contrôle, parce qu'on va les mettre dans des decks avec des cartes qui seront plus lourdes. Et le cheval de guerre cuirassé, si vous donnez charge à une 5-3, eh ben c'est pour être YOLO. C'est pas pour être super lent dans la game et vraiment ralentir le jeu. Non. Un truc qui a charge, c'est pas un truc qui ralentit le jeu. Donc, en classé, c'est médiocre. En arène, c'est déjà mieux. Pourquoi? Parce que c'est potentiellement une boule. En fait, ce qu'on appellerait les boules fulgurantes dans Magic. Je sais que je fais beaucoup de références à Magic, mais bon, il va falloir vous y faire. Moi, je les explique à chaque fois. La boule fulgurante, c'est une créature 6-1 qui a ce qu'on pourrait ce qui est équivalent de la charge, donc la célérité dans Magic, et qui meurt à la fin du tour où vous l'avez joué. Donc l'idée, c'est qu'elle va foncer, elle va faire des dégâts, puisqu'elle a le piétinement aussi, elle fait des dégâts au-delà des créatures en face. Donc. Elle va faire des dégâts à l'adversaire et après elle va mourir. De toute façon, elle n'a que 1 en défense, donc elle crève très rapidement. Et ben, le cheval de guerre cuirassé, c'est un peu pareil. Il est censé être une 5-3, un peu comme Leroy Jenkins, mais bon, en plus tanky et un peu moins cher, un peu moins fort en attaque et sans drawback. Et cette 5-3, elle va foncer, elle va faire ses dégâts et basta. L'idée, c'est que vous l'envoyez dans l'adversaire, qu'il ait des créatures ou pas, vous en avez rien à foutre, c'est pas votre problème, il se débrouille avec, elle est envoyée. Mais ça gagnera pas souvent la charge. En arène, ça la gagnera. En arène, ça fera 5 points de dégâts, que ce soit sur l'adversaire ou sur une de ses créatures. Si c'est sur l'adversaire, c'est 5 points de dégâts plus potentiellement une créature ou un sort. Si c'est sur une créature, et bien écoutez, ça fait un anti-créature. Maintenant, il faut bien partir de l'idée qu'en arène, comme les decks sont très aléatoires, la joute, c'est une fois sur deux. J'ai tendance à penser que la joute, elle sera principalement jouée en arène parce que l'élément aléatoire est juste beaucoup trop violent si vous la jouez en classé. Bon, sauf à quelques exceptions près où la carte est déjà forte de descendre de base et devient carrément cheatée si vous gagnez la joute. J'ai pas d'exemple sous les yeux, enfin en tête comme ça, mais je pense que quand je tomberai dessus, on en parlera directement. Donc, bah écoutez, ce cheval de guerre cuirassé. Pour moi, c'est moyen en arène et c'est nul en classé. Voilà, donc encore une rare qui sert à rien pour la classer. C'est triste, mais c'est la vie. Enfin bon, next, chevalier mécanique. Nous voici donc avec un méca supplémentaire. 5-5 pour 5, donc de bonnes stats globalement. C'est pas sans rappeler la 5-5 pour 5 aussi qui booste en prêtre un méca. Et cri de guerre donne plus un à un mec allié. Oui, donc je disais clairement, hein, ça se rapproche beaucoup du fonctionnement du méca prêtre qui fait 5-5 pour 5 et qui booste un méca de 4 PV. Sauf que là, ça donne plus 1. Ça se rapproche, c'est un mélange entre la carte méca prêtre et le. Comment il s'appelle? La 3-2 qui donne plus 1 en fait au tour 3.
Alors, je me rappelle plus le truc du clair du soleil brisé. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, une 5-5 pour 5 mécas, c'est bien. Ça fait un méca de plus. Donc c'est plus facile de tomber sur des mécas modulo le nombre de cartes qu'on a rajoutées, évidemment. Et donc la diminution de la probabilité de tomber sur des mécas. Donc ça fait un méca supplémentaire dans la liste de tous les mécas qu'on pourrait avoir. Et donc en arène, ça peut être toujours sympathique pour synergiser avec d'autres choses. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, en arène, c'est solide parce que c'est une 5-5 pour 5 et il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont quand même un ratio comme ça. Carte à 5, des 5-5 pour 5, vous avez au rêve et puis je crois que vous n'avez pas grand-chose d'autre. Sinon, vous avez des cartes qui vont avoir des effets sympas mais qui sont soit 3-5, soit ceci, soit cela. Soit... Enfin, ouais, voilà. Clairement, 3-5, ça marche bien. 4-5, ça marche bien. Je crois qu'on l'a vu juste avant avec le. Champion du Nexus Sarad, bon voilà, il y a des effets efficaces, mais bon, lui, il est quand même plus solide que de base. Et potentiellement, il a un effet supplémentaire, booster un mecha allié. Si sur un malentendu en arène, vous avez un mecha allié, ben dans ce cas-là, vous pouvez le booster. Si par contre, vous n'en avez pas, bon, bah écoutez, ça reste toujours une créature solide, qui est pas mal de pique, hein, surtout quand c'est une carte, bah, c'est une carte commune. Voilà, donc généralement, vous aurez quand même des cartes qui sont un peu fragiles à côté. En classé maintenant, bah écoutez les mechas, tour 5 on n'en a déjà plus trop l'utilité, mais généralement on a tour 1, 2, 3, 4, et puis après on pose des trucs plus gros quoi. 1, 2, 3, 4, beaucoup. Voilà, c'est un peu l'idée dans les mechas. Je pense notamment au mage mecha, mais je pense aussi au mecha chaman hein, qui considérera que le chevalier mécanique, eh bah, il n'est pas assez aggro. Je veux dire, plus un mec allié, on s'en fout. Plus 2, plus 0, un mec allié, là, ça nous parle. Et puis à 5, eh ben, le chaman, il a une 8-8. Il n'a pas une 5-5. Et donc, bah, c'est quand même vachement plus rentable. Donc, en classé, ça n'a pas sa place. C'est encore là bien une carte d'arène que l'on trouve ici. Une carte d'arène qui, des fois, pourra utiliser son prix de guerre, mais c'est quand même relativement rare. Et que vous prendrez plus généralement juste pour ses stats qui sont quand même assez solides. Voilà. Next, je ne sais pas si c'est la dernière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, le Chevalier Silencieux, c'est la dernière carte de cette vidéo. Après, donc, c'est la toute première vidéo sur les cartes neutres. Vous inquiétez pas, on fera les autres. Donc, le Chevalier Silencieux, il a camouflage et bouclier divin. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, en mode. Attention, on va essayer de retrouver. Pas cheval de guerre cuirassé, non. Le cavalier d'argent qui lui aussi avait un petit côté. Je sors à 3, j'ai 2 capacités. Ben là, le chevalier silencieux, il a aussi des stats un peu médiocres. 2-2, camouflage, bouclier divin. Est-ce qu'il y a besoin de lui mettre le bouclier divin quand il est déjà camouflé? En prévention, comme ça on le met en fufu, il se perdra jamais son bouclier divin. Quand il est enfin libéré, il tue une petite créature. Il a plus son bouclier divin, mais il est toujours là pour embêter les gens. Admettons, mais ça reste 2-2 pour 3. Et 2-2 pour 3, c'est faible. Donc, si vous avez vraiment rien de mieux en arène, pourquoi pas? Moi, en arène, quand j'ai des créatures, je privilégie principalement les stats. Si vous avez un effet super bourrin, trop cool et badass, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais là, ce n'est pas un effet super bourrin, trop cool et badass. C'est juste le camouflage et le bouclier divin. C'est deux capacités spéciales, effectivement, qui sont assez cool. C'est un truc vraiment fufu. Hein. On le sent bien avec le chevalier silencieux. Hein. Mais pour 3, c'est 4 points de stats. Et pour 2, on a déjà plus de points de stats. C'est une carte qui va faire jeu égal avec le crocidisque des rivières. Enfin, le crocidisque 2-3 pour 2. Sauf que le crocidisque, il sera arrivé tour 2. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Alors, je sais que je caricature un petit peu, parce que généralement, si vous avez un crocidisque en face, vous envoyez le chevalier dessus, et puis ensuite, vous pingez, vous faites quoi que ce soit avec votre pouvoir héroïque, et la créature en face, enfin, et le crocidisque qui meurt. Mais du coup, c'est l'équivalent d'un crocidisque plus un pouvoir héroïque. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Hein? Moi, je ne la veux pas faire sa place parce que je trouve que vraiment des cartes à 3, 2, 2, c'est quelque chose qui, quelles que soient les stats qu'on lui met, sauf un truc super badass au niveau des capacités,
Enfin, quelles que soient les stats, j'ai dit, quelles que soient les capacités qu'on lui met, à moins d'un truc vraiment super badass qui n'ait rien à voir avec les mots-clés comme camouflage, bouclier divin, provocation, etc., eh ben, ça, ou charge, eh ben, ça sera toujours médiocre. Et donc, le chevalier silencieux, pour moi, il n'est pas horrible en arène, mais il est médiocre. Voilà. Juste médiocre. Et de la même manière, et non pas de la même manière, mais en classé, il sera bien, bien pire. Parce qu'une carte qui est médiocre en arène, c'est une carte qui a montré déjà des faiblesses dans sa création et qui va être bien pire que moyenne en classé et va être donc carrément mauvaise. Si éventuellement elle avait un surtype, genre chevalier, et qu'au bout d'un moment il y avait des effets qui se faisaient, parce que je veux dire, on a quand même pas mal de chevaliers à force. Bah là, je dirais pas, mais c'est malheureusement pas le cas. Donc, camouflage bouclier divin, ça peut se traiter contre une ou deux créatures. C'est toujours trop tard, en fait, parce que ça se traite à contre-temps. Vous la posez pour 3, elle est camouflée, sauf que les créatures qu'elle veut tuer, c'est des créatures du tour 2. Donc, ça sous-entend que les créatures du tour 2 vont rester en vie pour le tour 3, puis pour le tour 4, le temps de les tuer. Et je trouve ça dommage, parce que l'adversaire, il a le temps de poser son board. Voilà. Donc, c'est trop fragile, trop tout ce que vous voulez, c'est trop. Non, trop tout ce que vous voulez, sauf quelque chose de fort. Voilà. Le chevalier silencieux, il est un peu trop silencieux à mon goût. Il a trop travaillé sur la furtivité. Pour le coup, en tant que 2-2, il n'a pas des stats suffisamment efficaces pour en profiter de toute sa. Disons qu'il ne fait pas sens. Voilà. Je comprends qu'on ne veuille pas transformer ça en quelque chose d'encore de trop badass. Mais sachant que qu'est-ce qu'on peut avoir en fait pour si on avait augmenté un peu ses stats, 3-3 boucliers divins, on a une 3-3 bouclier divin pour 4. Donc là, il voulait pas d'une 3-3 bouclier divin camouflage pour 3, ce qui est tout à fait compréhensible. On aurait pu mettre une 2-3 bouclier divin camouflage pour 3, ça aurait été un petit peu moins dégueulasse et ça aurait pas été choquant pour autant. Une 3-2 bouclier divin camouflage pour 3, là, ça devenait quand même passablement plus intéressant parce que c'est 3 points de dégâts qui vont être infligés sous bouclier divin, quelle que soit la situation, sauf si on se prend. Si, non, quelle que soit cette situation. Parce que même si on se prend 2 AOE, bah, le bouclier divin il va sauter sur la première et puis la deuxième AOE, sachant qu'il est toujours camouflé, va finir par tuer le chevalier silencieux, mais c'est quand même vachement rare. Donc, j'ai pas confiance au chevalier silencieux, de la même manière que j'ai pas confiance dans le cavalier d'argent. Et s'il y a d'autres cartes dans le même style, eh ben, j'aurais pas confiance non plus, surtout si c'est encore des 2-2, avec deux capacités, hein, histoire de leur donner un petit peu plus d'incentive. Voilà, donc je fais chevalier silencieux. C'est fragile en arène. C'est médiocre, voire mauvais en classé. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, moi je tombe de sommeil. Cette vidéo, je la montrerai probablement demain et vous aurez donc le premier jour, c'est-à-dire enfin, demain, bon, il est déjà 3 h du matin, donc de ce jour-ci, mardi, mais après mon réveil. Et donc, vous aurez la première vidéo sur les cartes neutres. On finira les 4 autres dans la journée et après, on sera enfin libre. Voilà, vous voyez, je commence déjà à beaucoup plus fatigué qu'en début de journée. Oh, mes yeux se ferment, mes yeux se ferment. Donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Désolé pour les bafouillages, les bafouillements, les bégaiements et tout ce que vous voulez sur cette dernière vidéo. Il est grand temps que je me couche, c'est d'une nécessité absolue. Et donc, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée pour selon quand vous regardez cette vidéo. Bonne chance à vous en tout cas, et que l'âme des cartes soit avec vous. Tchuss!